Je suis devenu designer à travers une passion qui a toujours été présente, qui était le dessin. La particularité du design horloger, c'est la dimension de l'objet. Il y a des contraintes tellement grandes, avec des surfaces tellement petites, pour s'exprimer. Des fois, c'est un handicap. Pour aborder le métier de designer, je pense qu'il faut tout d'abord avoir le sens du détail, c'est-à-dire de penser au détail, parce que généralement, on a une enveloppe, on essaye de structurer un objet, mais il faut l'aboutir, l'objet. Et généralement, c'est le cumul d'une multitude de détails qui font qu'il est en place ou il est à côté de la demande. Il est évident que pour un designer, de sentir l'air du temps, c'est primordial. C'est-à-dire, on peut être déçu parce que peut-être on est un petit peu en avance et que la marque ne comprend pas qu'il faut sortir ce produit. C'est clair que si on se coupe ce sentiment, on va faire des choses qui sont actuelles dans le moment. Très commerciales, ça sort des marchés, mais on ne va pas forcément créer une tendance ou une manière de porter la montre ou une manière au niveau graphique de la présenter. Alors, l'inspiration, c'est peut-être le côté le plus magique de l'exercice. C'est un petit moment qui dure quelques secondes, donc c'est une sensation parmi la masse de dessins qu'on peut avoir devant soi. C'est une relation avec ce dessin qui nous lance un petit signal et qui nous dit que peut-être on est sur la bonne voie. La chance est aussi primordiale. Et pourquoi un produit est très bien accepté, il y a ce petit côté magique aussi qui est immaîtrisable. Des fois on pense que l'objet va être très très bien accepté, c'est tout le contraire. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, un objet qui nous semblait mineur prend des proportions incroyables. Au niveau de la création, il y a différentes phases. Il y a la phase, je dirais, de sentir, de penser au client, de penser même au vendeur, celui qui va devoir justifier, expliquer le produit au client. C'est un chemin de croix, je dirais. Il faut être seul, il faut se poser beaucoup de questions. Et la deuxième phase, c'est plutôt le partage. C'est-à-dire là, on s'expose à tout, il faut être ouvert à toutes les critiques et écouter tout le monde. Mon rôle s'arrête quand les pièces sortent de production. Donc on peut dire que je vais encore regarder ce qui sort en production sur les premières 1000 pièces à peu près. Je pense qu'aujourd'hui le design va être le nerf de la guerre dans le monde horloger pour les 10-15 ans